Hola, bambino, à Bizouane. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On est en direct de Rio de Janeiro. Il fait beau, on prend les couleurs. Et je sais que ça me ferait pas de mal de prendre des couleurs, j'ai envie de te dire. On a sorti les maracas, on va twerker un peu. Et comme on dit, il faut avoir ce qu'il faut derrière pour twerker, donc je vais arrêter de suite. Sans plus attendre, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. 757 Wallers qui vont voyager avec moi à Rio de Janeiro pour ce quiz absurde, sans transition. Pourquoi Rio? Parce que nous allons commencer les quiz absurdes en chanson avec Dario Moreno. Attention, complétez, écoutez cet extrait avec ce célèbre son qu'on adore. C'est « Tu vas à Rio, n'oublie pas de prendre ton maillot ». À vous de répondre, à votre avis, c'est quoi qu'il ne faut pas oublier? Le passeport, de tomber le haut, de monter là-haut ou de ramener un souvenir. Je rappelle que c'est la journée mondiale du souvenir. Dario Moreno qui a sorti ce son en 1958. Et oui, c'était la première question, évidemment. Alors que je vois qu'il y a... Ouh ! Et oui, c'est de monter là-haut. Et oui, si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant du coteau. Hey ! Alors je vois qu'il y a 9 personnes qui ont utilisé les back-in. Salut Laurence, qui a le meilleur score. 79 ont bien répondu. Vous l'adorez, le Dario Moreno, qui, je rappelle, a sorti aussi Brigitte Bardot. Bravo, Brigitte, bravo. On adore. Hein. Transition, on va rester un peu dans le thème, on va parler de celui qui est tout simplement le président, le CEO, Pierre de Coubertin, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques à Rio en 2016, les JO d'été. Eh bien, question numéro 2, c'est parti. La citation attribuée à Pierre de Coubertin est l'important, c'est la rose, c'est de gagner, c'est de participer ou encore c'est de ne pas se tromper. Attention, c'est une citation qu'on lui a attribuée. Il ne l'a pas inventée, il s'est inspiré de quelqu'un, mais de qui? À vous de répondre, vous avez 12 secondes pour tenter de remporter 300 euros. Alors, évidemment, évidemment, l'important, c'est de participer. Alors, évidemment, pour la petite anecdote, eh bien, il s'est inspiré tout simplement du sermon d'un évêque de Pennsylvanie qui s'appelle Ethelbert Talbot, lors de la 4e Olympiade qui avait eu lieu en Angleterre, il y avait des coureurs américains qui se sont grave embrouillés avec les jurys anglais. Et du coup, eh bien, il est intervenu et il s'est rappelé de ce serment de cet évêque. Et il a dit, écoutez, les gars, l'important, eh bien, c'est de participer. Voilà la citation qu'a inspirée Pierre de Coubertin, ce grand homme, historien, pédagogue. Alors que je vois que Laurence est toujours en tête, que vous êtes, oula, 89% à avoir bien répondu. Voilà, et on continue avec la 3e question. Sans transition, on ne parlera pas des athlètes et de tout ça. Je ne crois pas que les athlètes en aient besoin. En tout ça, en tout cas, c'est la 3e question. Quelle est la particularité du Viagra? On adore les transitions comme ça. Alors, c'est d'être l'anagramme de virage, n'importe quoi. D'avoir été inventé par erreur, autant vous dire que le mec a inventé ça, à mon avis. Je veux dire, les choses n'arrivent pas par hasard, surtout quand tu en prends. De colorer le sexe en bleu. Alors là, gros big up au chef des schtroumpfs, qu'on appelle le grand schtroumpf, qui doit s'éclater parce qu'il n'y a que des schtroumpfettes. Non, il y a aussi des mecs dans les schtroumpfs, ou d'avoir le goût de menthe fraîche. Alors je ne sais pas si ça a donné des idées à Mentos, je ne sais pas, la couleur est peut-être la même, ou effectivement la couleur est la même. À vous de répondre chez vous, à votre avis, quelle est la bonne réponse de la question numéro 3. Pour gagner 300 euros, il faut répondre sans faute, eh bien c'est d'avoir été inventé par erreur. Alors, petite histoire, c'est le moment que j'interviens, que je vous explique, parce que dans Bizouane on apprend des choses. À la base, ils ont élaboré, les chercheurs ont élaboré tout simplement un traitement pour les gens qui ont des angines de poitrine, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte, et oui, ça a augmenté le flux sanguin, et donc ça diminuait vers les muscles cardiaques, et ça diminuait la pression artérielle. Sauf que ça n'allait pas dans le bon sens, c'est descendu, tu vois, c'est un peu bizarre, on va comprendre. Donc en fait, c'est allé dans l'autre sens, et du coup, ils se sont rendus compte, Tantris Big Up, qui est déjà venu avec nous dans les locaux, et donc ils se sont rendus compte que ça faisait des effets secondaires, ça permettait d'améliorer la fonction érectile, rien à voir avec les animaux, et c'est ainsi que le laboratoire Pfizer ont créé le Viagra. Et pour la petite anecdote, ben, vigor, ça veut dire puissance, et Viagra, pourquoi? Parce que les chutes du Niagara qui se trouvent en Amérique du Nord, qui sont les plus importantes, les plus rapides. Enfin voilà, tu vois, s'il y a un mec qui a un surnom comme Niagara, à mon avis, tu peux partir en courant, tu vas avoir mal. Sans transition, question numéro 5. Le chien stupide dans Lucky... Question numéro 4, autant pour moi. Le chien stupide dans Lucky Luke s'appelle Ripolin, Raplapla, Rintintin ou Rantanplan.
Allez, un petit coup de maracas. 12 secondes pour répondre. Si vous avez la bonne réponse, donnez-la. Attention, il y a un piège parce qu'il y a deux noms de chiens qui sont des vrais chiens qui ont, entre guillemets, existé dans des fictions. On se calme. Alors que la réponse est Rantanplan. Ben oui, évidemment. Eh oui, c'est le chien le plus bête de l'Ouest de l'Amérique qui a atterri pour la première fois dans la bande dessinée de Lucky Luke avec les Dalton. Et sachez que pour la petite anecdote, eh bien, c'est le chien, c'est une parodie du chien Rintintin qui, lui, est une autre série de 1954, Rusty et Rintintin, qui était l'histoire en fait d'un mec atterri avec son chien et qui sont les rescapés d'une embuscade, on va dire d'une attaque qu'il y a eu dans un camp indien. C'est encore une autre série, mais du coup ils ont parodié, ils l'ont appelé Rantanplan chez Lucky Luke. Et sachez qu'il a lui-même eu, je vois que Tantris a été le meilleur, sachez que Rantanplan, eh bien, il a quand même eu sa propre bande dessinée, voilà, entre 87 et 2007, alors que je vois que vous étiez nombreux à avoir bien répondu, 90% ont répondu Rantanplan, Rantanplan, Rantatatan, Rantatatan, Rantatatan. Question numéro 5, sans transition. Quand vous marchez dans les crottes, attention, ça porte bonheur, effectivement, il paraît. Ça ne sent pas très bon, bah oui, c'est un peu comme les femmes, quand on pète, ça ne sent pas la rose, ça fait pas des bulles non plus. Vous êtes à Paris, alors ça, je comprends pas, genre, il y a que de la merde à Paris, en ce moment, il y a que de la neige. Hein. Où vous êtes en Ardèche, à vous de répondre chez vous. J'espère qu'il y a des gens qui connaissent bien, je ne sais pas, les régions, la carte de la France. Oh, j'ai dit la réponse, j'ai dit la réponse, j'ai dit la réponse, c'est la réponse. Et 2% ont répondu, vous êtes en Ardèche. Ça veut dire qu'on a 2% de joueurs qui arrivent de là-bas. Les grottes, c'est une vieille appellation occitane qui veut dire les caves ou les maisons voûtées. Voilà, il y a les crottes, pardon, bah oui, parce que les grottes, non, ça veut dire des caves ou des maisons voûtées. Et donc, c'est situé en Ardèche, il y a une dizaine de maisons. C'est très joli, j'ai regardé sur Wikipédia, vous pouvez regarder. Et donc, il fait bon vivre, on adore l'Ardèche, de toute façon, hein, tous les gens vont là-bas, la plupart. Et il n'y a que 3% de gens chez Bizouane qui connaissent. Et voilà, ils ont réservé, ils ont préservé son charme pittoresque. Alors, ceux qui sont qualifiés pour la cagnotte, eh bien, il n'y en a plus que 11. Et je rappelle que c'est les 10 meilleurs qui pourront se partager les 300 euros. Alors que je vois qu'il y en a 9 qui ont utilisé les baquines. Qu'est-ce que c'est les baquines? C'est les jokers. Et alors, question numéro 6, c'est parti, attention. Les Mettois et Rosa Chauffili, oh là 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 là, à vos souhaits. Pas, et pas facile à prononcer, je vous l'accorde, essayez chez vous. La collection de sacs à vomi, la peur des prévisions météo, ça c'est dégueulasse pour Tatiana Silva qu'on adore, moi je la trouve trop belle. Big up à elle qui nous fait la pluie et le beau temps, surtout le mauvais temps en ce moment. Un drôle de mot tout de même. À vous de répondre pour cette question numéro 6. L'aimer à tes souhaits, je vais pas le répéter, c'est horrible. Eh bien, improbable. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le e-quiz live show absurde, parce qu'on apprend des choses mais qui sont à dormir debout. La réponse, eh bien, c'était qu'il collectionne les sacs à vomi. Mais c'est n'importe quoi. C'est un Néerlandais qui s'appelle Niek Vermeulen qui a décidé, en fait, de collectionner. Il en a plus de 6000, de plus de 1200 compagnies, de 200 pays différents. Le mec est en dingue. Et donc, je me suis dit, tiens, tout à l'heure, je me suis... Bon, voilà, je ne vais pas tout vous raconter en détail. En tout cas, ça fera 6001. Est-ce que vous aussi, vous en avez chez vous? Alors, le truc qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont usagés. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Le mec collectionne les sacs à vomi, ça va bien se passer. 40% ont répondu juste, salut Manu, big up Manu, la cucaracha. Manu, est-ce que tu as les maracas chez toi? Manu, tu as été le meilleur à répondre le plus rapidement possible. Un seul a utilisé le baquine. Allez, the next one is 7. Question numéro 7. Le record de cassage de noisettes avec les fesses en une minute. Je prends l'accent du sud parce que je ne dirais pas qu'on n'a pas créé ça chez nous, mais pas loin, c'est des conneries qu'on pourrait faire. Et de 58, 73, 94 ou 108 noix. Combien il s'en est mis pour les casser? Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Alors Pepito Banzai, on est en direct, big up, je te fais un petit coup de paracas. Par contre, on est aussi en direct de Rio, comme tu peux le voir. Tout est possible dans Bizouane. On est en duplex chez Miami la dernière fois. Enfin non, on n'était pas à Miami la dernière fois, on était encore plus loin. On était en Floride, bien sûr, ben oui. Alors attention, c'est 108 noisettes qui se sont cassées entre les fêtes. C'est Willy Brossman, rien à voir avec Pris Brossman, qui a établi un record du monde en cassant 108 noisettes avec son postérieur. Alors, je veux dire, si ça, c'est pas un sport qui fait mal au cul. Et justement, je me suis dit, petit, voilà, enfin, voilà, nous, on est comme ça, on aime le live, ça part en live. Donc, je vais essayer pour vous. Faites ça chez vous, on lance un défi. On va faire un petit lancer de noix de Huck, non, pas du tout.
je pense qu'on va réitérer justement cette expérience un peu plus tard, parce que c'est un peu dangereux. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Vincent, tu es le meilleur à avoir répondu le plus rapidement possible. Deux joueurs sans faute et Vincent, meilleur score avec 240 points. Oh, et il n'y a plus que deux joueurs sans faute. Dis donc, incroyable. Attention, et c'est une histoire de fesses dans ce quiz absurde, les tortues. Ah, peuvent aussi respirer. On arrête de parler des noix. Par les yeux, par les oreilles, par les fesses ou par les pieds. Ah non, mais je dis ça parce qu'il y a des fesses partout. On ne sait pas d'où ça sort. Alors, à vous, vous avez la réponse chez vous. Vous restez avec nous. Je vois que les gens restent quand même connectés pour me regarder. Alors, à votre avis, les tortues respirent par où? Eh bien, la réponse est par les fesses. Bravo, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Alors ils étaient inspirés pour ce quiz absurde par les fesses, parce que lors de leur hibernation, en fait, pour éviter en fait tout simplement de solliciter les muscles, voilà, ça les permet de se reposer, mais ils font ça par les fesses, et bon voilà, c'est une technique comme une autre. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer, je veux dire, il y a juste marqué que c'est pour éviter justement, cette façon de respirer sollicite moins de muscles et permet aux tortues de ménager leur effort pendant la période hivernale. Incroyable, mais vrai, il fait froid en ce moment à Paris, essayez de faire ça chez vous, peut-être. Vous nous en direz des nouvelles sur BizOne. Par les fesses, 28% ont bien répondu. Et alors que 42% pensaient que c'était par les oreilles. N'importe quoi, ce quiz. Et il n'en reste plus que un sans faute. Waouh! Pour tenter de remporter ces 300 euros qui, je vous rappelle, sont répartis par les 10 premiers. Attention, the last one, ladies and gentlemen, c'est la toute dernière pour peut-être. Et attention, il n'en reste plus qu'un, je vais te lire. Amsterdam University aux États-Unis dispense des cours avec des profs en string. Alors ça, c'est quand vous voulez, mais pas les hommes en string. 2 sur le cannabis, 3 uniquement la nuit ou des animaux surdoués. Question numéro 4. Réponse numéro 4. À vous, chez vous, donnez la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est Amsterdam est situé dans le nord de la Californie. Et là-bas, c'est commencé légal. Et donc, c'était sur le cannabis. Et oui, c'est la première école au monde qui a été ouverte en 2007 et qui propose des cours. Donc, c'est une école privée qui propose des cours, sur le campus d'apprentissage à l'industrie. Exemple, ils apprennent l'industrie du marijuana ou des enseignements aussi qui portent sur l'anatomie, la physiologie. Salut Robin. Robin, t'étais hyper inspiré, j'ai l'impression. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de théories maintenant, de la pratique, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'il y a plus de 20 000 étudiants qui ont été diplômés de cette université hors du commun. Alors, pourquoi Amsterdam? Parce que Ock de Auckland, là où c'est situé, et Amsterdam parce que Amsterdam. Fallait y réfléchir. Pas mal. Alors, je regarde justement les stats. Le top 10, mesdames et messieurs, c'est Adrien avec 1780 points. Anne, big up à toutes les Anne qui nous regardent. 1630 points. Jérôme, troisième. Voilà, vous allez pouvoir vous partager ces 300 euros. Et alors qu'on va essayer d'appeler le grand gagnant. Salut. Hey, j'ai trop de chance, moi. Il y a tout le monde qui répond à chaque fois. Hello, comment ça va? Tu es dans le noir. Mets-toi à la lumière, mon grand. Prends la lumière. Salut. Merci. Rappelle-moi ton prénom. Adrien. Tu t'appelles Adrien? Bah oui, Adrien, forcément, c'est le gagnant. Oui. Adrien, comment ça va? Dis-moi, t'es content ou pas? Là, oui, je suis très content, oui. T'es très content, génial. Ça fait combien de temps que tu joues à BizOne? Depuis les vacances, ça fait 2-3 semaines. Moi, je t'entends pas trop, mais dis-moi, ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 semaines. Ok, et tu gagnes souvent? Là, il gagne plus du tout, on voit plus du tout. De l'argent, non. Adrien, si tu m'entends, fais-moi un coup de maracas. Oui. Bon, Adrien, c'est pas grave, on t'embrasse. Continue à jouer avec Be The One. On se retrouve. Et oui, ça a démarré aujourd'hui avec Marlène, avec les shows le midi, les quiz live shows, les midis connectés. Donc demain, midi 20 avec Benoît. Et demain soir, on se retrouve pour un autre e-quiz live show totalement absurde, comme d'habitude. Peut-être dans un autre décor, peut-être que je prendrai plus de couleurs qu'aujourd'hui. En tout cas, restez connectés, jouez avec nous. Tentez de remporter aussi des back-in. Viralisez, parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous. On vous embrasse, excellente soirée avec BizOne et à demain pour tenter de remporter 200 euros avec Benoît à midi 20 et moi-même à 20h20 pour 300 euros le soir. À bientôt dans BizOne.